Alors, Nadia, coucou. Salut. Salut. Ça me fait vachement plaisir d'être là, en tout cas. Ben, merci. Et de vous accueillir. Oh, mais c'est génial. Et merci de nous accueillir chez toi, dans ce lieu magnifique, magique. Et pour ce Raconte-moi ta joie, c'est super. On va directement aller avec cette question sur la joie, dans le sens où la joie pour toi, tu as répondu oui, parce que certainement que ça vibre en toi. Tu peux nous dire quelque chose, nous faire peut-être ressentir. J'ai juste réfléchi quand même un petit peu à cette thématique et de qu'est-ce que je voulais amener dans notre... Mais c'est vrai que pour moi, la joie, c'est l'état d'être. Mmh. C'est de pouvoir simplement s'émerveiller de l'instant présent et de le ressentir dans tous les sens. Mmh. Et un des moyens que moi j'ai, où je sais que c'est aligné, où je sais que c'est juste, c'est quand mon corps vibre de tout ça. Et puis, j'en ai la chair de poule, ou simplement, tout à coup, tu t'ouvres aux éléments là, qui viennent, où tout à coup, tu sens le vent te caresser, tu sens la chaleur du soleil, même s'il se cache un tout petit peu. On le sent quand même. Et puis, de juste s'extasier devant ce magnifique paysage. Ah ouais. Et là, c'est le lieu idéal où tu vogues parmi ces éléments. Oui. Avec ton corps, avec tous tes sens. Et je sais que y a chez toi quelque chose que tu aimes faire particulièrement, danser avec les éléments. Je ne sais pas si j'appellerais ça de la danse. Uh-huh. Pour moi, c'est comment... Alors, premier élément, c'est de s'ancrer à la terre, à la terre-mère, mais de manière très sensorielle. Hein. Donc, ça peut être simplement, quand tu te connectes à la terre, de ressentir cette herbe, de ressentir le soleil là qui vient d'apparaître et puis qui te chauffe, de ressentir l'air qui est là, de tout à coup voir ces fleurs, et puis après de se laisser mouvoir. Alors après, ça peut apparaître comme de la danse, mais c'est pas une recherche d'aller danser, c'est vraiment plutôt le mouvement spontané qui va me permettre d'exprimer qui je suis véritablement, et puis d'exprimer aussi mes états d'âme, parce qu'il y a des moments où je suis moins joyeuse, mais de pouvoir transmuter ce qui est là, et puis de pouvoir partager ça avec mes filles. Et tes filles joyeuses aussi, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment tellement de spontanéité entre vous, entre qui vous êtes et comment vous appréhendez justement la vie. Et du coup, de vivre dans un lieu comme ça, c'est cadeau, quoi. Disons, pour moi, c'était clair qu'au moment où j'ai fondé ma famille, j'aurais besoin d'un lieu de nature. Qui me permettrait de me connecter profondément à la nature, parce qu'elle me porte. J'ai ça aussi depuis mes ancêtres, puisqu'ils étaient paysans, ils étaient connectés à la terre. Et puis pour moi, c'était une condition sine qua non pour laisser mes filles, enfin mes enfants, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas que j'aurais des filles, de pouvoir vivre librement et d'explorer en toute sécurité. Et de se reconnecter aussi à cet aspect assez sauvage. C'est ce que d'ailleurs je fais. Alors, ça aurait pu être un autre lieu de rencontre, d'aller aux gorges du Chaudron. Et moi, j'adore aller à cet endroit-là, parce que l'eau, et l'eau de la rivière plus particulièrement, m'inspire. Ah, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps quand tu es justement dans cette eau? Est-ce qu'elle te communique quelque chose? Est-ce que vous communiquez ensemble, en fait? Alors, la chose, c'est que quand je vais aux gorges du Chaudron, ça m'enlève de tous les soucis. Parce que ici, oui, c'est un lieu ressource, c'est un lieu cadeau, mais il reste la maison. Donc, il y a des moments où ça peut être plus lourd. Donc, moi, quand j'ai vraiment besoin, quelque chose que j'ai sur le cœur et que j'ai besoin de transmuter, je vais aller plutôt à la rivière. Et puis, ce dont j'ai surtout besoin, c'est de pouvoir aller me purifier et me nettoyer. Plus j'avance, plus je le fais nu, parce que je trouve que, en fait, ça permet à tout ton corps de pulser, de vibrer et de se nettoyer, de se réharmoniser. Et ce pouvoir de l'eau,
Et vraiment, en tout cas, c'est mon élément. Et je pense que c'est mon élément complémentaire de mon feu, mais que j'ai développé, mais dans son aspect sauvage de la rivière. Oui. Tu pourrais dire qu'il y a vraiment, comment dire, une connexion où, où l'être se met au diapason avec cet élément eau et du coup la nature en globalité, en fait. En fait, je demande à la sagesse, à la sagesse inhérente de l'eau de venir faire son travail sur moi, et je deviens, si tu veux, son objet, mais dans tout l'amour, dans toute la bienveillance de que l'eau peut permettre, mais voilà, avec parfois des chocs, hein, quand tu as des chocs thermiques, quand l'eau fait je sais pas, 10 degrés, 12 degrés, mais ça me rend plus encore plus vivante et ça me nettoie. Et puis tu sens que ça rentre en lien, puis que ça répond aux besoins ou en tout cas ce qu'il y a à transmuter dans le moment, quoi. Et que tout est harmonieux finalement, et tout est tellement parfait et juste, quoi. Puis je pense que aussi l'eau, ce qu'elle me permet, c'est une connexion à plus profonde à mon enfant intérieur, parce que quand t'es maman, t'as ce rôle. Alors il y a des moments où on déconne complètement, où on est dans la créativité, mais il y a des moments où tu es là à poser le cadre et à le tenir, etc. Et je pense que dans ce coin de l'eau, de la nature, je peux déposer complètement cela. Et en fait, si je me rappelle dans mon enfance, quand j'allais pas bien, quand je m'étais bagarrée avec mes parents, je partais en forêt où j'allais au Rocher de Nez, qu'on voit juste là. Et j'allais skier et en 2 heures, j'avais tout oublié, tout s'était lâché. Et donc pour moi, ça a toujours été un endroit où je pouvais me reconnecter à mon essence et à mon pouvoir illimité et puis à trouver les solutions de la problématique. Grâce à cette belle nature, quoi, magnifique. Puis grâce à ta connexion aussi, parce que du coup, quand ça rentre en résonance... comme on disait, c'est une communication qui se fait tellement spontanément. Et c'est de pouvoir et savoir écouter aussi, en fait. C'est ça. C'est joli. Donc, pour toi, c'est un lieu d'enfance aussi. C'est là que tu... Dans cette région-là que tu as vécu. J'ai grandi, voilà, depuis l'âge de 3 ans, je suis dans cette région-là. Et je veux dire, j'ai voyagé, j'adore l'Himalaya, j'adore d'autres régions du monde, mais ici, c'est mon chez-moi. Et c'est un lieu, la nature, pour moi, c'est aussi mon chez-moi, et il n'y a aucun sentiment de peur ou de danger, parce que je sais que les éléments sont là pour me protéger. On soutient, en fait, aussi. C'est beau comme ça. Dit comme ça, c'est... on a envie d'aller avec toi, explorer tout ça. Et justement, des fois, tu accompagnes des personnes à aller explorer dans des échanges. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu? Donc, j'ai fait plusieurs formations qui sont en lien avec l'énergétique, en lien avec... beaucoup d'outils thérapeutiques. Et puis, ce qui me met en joie, alors il y a plusieurs, il y a les cercles différents, que ce soit des cercles de famille, des cercles de femmes, ou des cercles où justement on passe au travers du corps à explorer diverses problématiques et à transformer nos blessures, puisqu'on en porte tous, vu qu'on fait partie, on est des êtres humains. Et puis, un des projets que j'aime faire, c'est que j'ai aussi dans mes outils celui du coaching, mais c'est pas de le faire à l'intérieur, c'est de partir en balade. Je l'ai appelé balade alchimique, parce que justement la nature nous permet d'accompagner la personne, ou nous donne des signes, des synchronicités qui permettent d'aller, en tout cas dans mon vécu, plus en profondeur, parce que finalement les gens lâchent leur mécanisme de défense, lâchent leur identité, ce qu'ils sont, et on peut, moi en tant que thérapeute, on a plus facilement accès et d'utiliser justement les éléments pour les ancrer, pour voir que finalement ils peuvent prendre l'exemple par exemple de ces roses là en disant que pour être si belles dans leur puissance, dans leur beauté, il faut du temps. Ça, c'est sûr, et de la patience, mais il faut aussi des racines profondément
on crée dans la terre et que finalement on est des arbres de vie, nous. Ouais, ouais, et ouais, je trouve ça à chaque fois merveilleux parce que la sagesse de la nature nous parle à travers les personnes que j'accompagne. Ouais, c'est tellement beau. C'est la nature, c'est une enseignante parfaite, quoi. Mmh, hein. Et vraiment, afin que chaque personne puisse ressentir de nouveau, finalement, son être profond, son être, son essence, quoi, son être véritable. Mmh. Et parce que tu l'explores toi-même, du coup, ça devient possible dans ces accompagnements, en fait. C'est génial, c'est génial. C'est super, en tout cas. Et l'autre chose que j'avais envie de te demander, c'est est-ce que, comme ça, tu aurais envie de délivrer un message aux personnes qui nous regardent ou à ce monde ou par rapport à cette notion de joie et comment reconnecter à sa joie profonde? Alors, c'est vrai qu'on vit actuellement des temps assez mouvementé et où on peut perdre finalement parfois cette joie qui nous porte et qui est toujours là. Elle peut se cacher divers les annonces qu'on peut entendre. Et pour moi, et c'est ce qu'on a mis en place aussi dans notre famille, c'est comment on vit chaque jour cette joie-là. Et puis, y a plusieurs pratiques. Pour moi, la première chose, c'est de simplement s'aligner. Comme je l'ai dit, connexion terre, ciel, et qu'on ait cet arbre ou ce canal entre les deux, et de se reconnecter à cette divinité qui nous vient. Et finalement, moi, au moment où je suis connectée à cet aspect divin, je vois l'autre de manière sacrée, divine. Il y a moi, il y a toi, et puis il y a le tout. Et de pouvoir aussi, plus concrètement, parce que ça c'est peut-être plus compliqué, mais la gratitude ou cette capacité d'émerveillement que les enfants ont de manière plus intime, que quand ma fille nous ramène une feuille morte, regarde maman le trésor, puis toi t'es là, oui, peut-être pas trop, mais d'être dans cette capacité d'émerveillement. Ouais. Et je pense qu'un des exercices qui est utile, c'est comment on peut être reconnaissante de ce qu'on a chaque jour. Et nous, le soir, on termine la journée en disant trois choses qu'on a aimées et en envoyant de l'amour à soi et à trois personnes dans le monde. Et puis le matin, on se rappelle qui on est dans son aspect sacré. Ouais. Et puis, comme dit Awen, qui est une de mes filles, dit souvent, on va passer une belle journée. Oh, et c'est l'intention magnifique que je pose. Et je trouve que des petits rituels comme ça, parce qu'on a des temps tellement chargés, on court parfois, mais ça prend quoi? Ça prend 30 secondes. Et de se rappeler, parce que finalement, notre chemin en tant qu'être humain, c'est de se rappeler qui on est. On est la source, on est l'amour, on est la joie, comme tu veux l'exprimer. Et pour moi, c'est comment, finalement, ma mission de vie, c'est d'intégrer et d'incarner ça tous les jours, à tous les niveaux, en sachant que c'est un chemin et une voie et qu'on peut toujours s'améliorer, mais c'est de reconnaître cela. Et alors, on pourrait dire, rappelez-vous de vous émerveiller et vous êtes déjà l'être que vous êtes et peut-être regardez comment vous vous en rappelez. Okay, c'est ça. Et souvent, ce que je peux faire, c'est aussi, quand je me connecte et face aux gens de ce monde qui ne sont pas toujours, en tout cas, me semble-t-il, aussi éveillés que nous, c'est je reconnais en toi l'être divin que tu es et j'honore la vie que tu es en toi, autour de toi. Et puis de commencer, avant cela, c'est de commencer par soi-même. Mais de ça, et pour moi, ça m'aide. Parce que finalement, les gestes, les comportements, deviennent pas acceptables, mais tu comprends mieux les choses et finalement tu oublies pas que ces gens-là, peut-être dans cette pièce de théâtre, jouent ce rôle-là de persécuteurs, qu'ils ont aussi l'aspect divin, alors que souvent on l'oublie. Absolument. Et moi, cette pratique-là me permet aussi de rappeler ma nature divine.
Et puis de voir ce que l'autre propose d'explorer à travers sa présence, quoi. Ouais. Et pour ce réveil, si tu avais une question à poser à quelqu'un qui lui permettrait justement de se rappeler, peut-être que tu penses à quelqu'un en particulier, hein, ou pas, qu'est-ce que tu lui poserais comme question? Qu'est-ce que tu lui dirais pour que tout à coup ça fasse peut-être tilt comme ça? Alors pour moi, c'est où je vois deux temps. Il y a le temps du réveil et de reconnaître qu'on est cette essence divine. Mmh. Et puis ça peut se faire en un instant comme ça. Mmh. Au moment où on se connecte à la présence, on l'a. Je veux dire, elle est en soi. Mais c'est comment concrètement l'incarner. Enfin, la question que j'aurais, et là je pense au Dalai Lama, ou aussi à Mère Teresa qui est plus là, comment on l'incarne dans toutes nos cellules, dans toutes les, à tout moment, parce que il y a des moments où moi je me rends bien compte que je l'oublie, et puis ça me fait partir dans des colères noires, dans des choses comme ça, ou dans des zones de conflit, et puis il me faut quand même pas mal de temps pour revenir. Mais quelle serait la recette magique au moment où tu vois que tu pars dans ton identité, voir. Paf, comme ça. C'est ça. Et Osensei, qui était un prof d'aïkido, parce que j'ai pratiqué, disait, c'est pas que tu vas toujours être en équilibre. Ce qu'on t'apprend grâce au mouvement de la chute, dans les arts martiaux, c'est de perdre ton équilibre et de retrouver l'équilibre. Et peut-être que ça, ce serait une jolie métaphore, tu vois. Comment retrouver son équilibre. Au moment où on sent que pouf, ça dévie un peu. Waouh, merci Nadia. Et voilà, moi j'ai juste envie de te dire, je reconnais la divinité en toi. Merci pour ce moment de partage de tout toi et de tout ce qui émane de toi. Et en tout cas, de nous avoir accueillis dans ce lieu merveilleux et de nous faire prendre conscience encore plus que tout ça, c'est nous aussi. Ce qui est là, nous sommes tout ça, et c'est vraiment des prolongements des uns des autres et prolongements des uns des autres dans ces moments d'échange gratifiants et merveilleux, quoi. Merci infiniment. Avec joie et magie. Ouais, merci Nadia. Rien. C'est super. J'adore. Et on est filmé par Owen. Merci Owen. T'as aussi filmé? Très bien. Tu viens faire un câlin? La taille était super. Ouais, c'est super.